On peut dire que la conjoncture 2018 a été conforme à ce que l'on pouvait attendre, quels que soient les secteurs d'activité. Ceci étant, il y a eu un tassement sur le deuxième semestre et notamment sur le dernier trimestre qui laisse apparaître quelques failles, si vous voulez. C'est quand même une année relativement positive, d'autant plus qu'on était sur une croissance de 2,4%, alors que là, cette année, on sera sur un nivellement un peu plus classique à 1,5%. Donc l'année 2018 s'est passée dans des conditions acceptables, sachant que dans ce département, effectivement, l'économie est relativement intéressante. Les dirigeants d'entreprise aujourd'hui qui veulent investir, qui veulent embaucher, sont un peu dans une perspective d'attente et de voir comment les choses peuvent évoluer.